Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois qui est sur Rox et Rocky. Alors, comme d'hab, quand c'est un vieux dessin animé comme ça, Amy, elle est jamais contente. Hein? Voilà, donc c'est comme d'hab la vidéo avec les copines Amy et Manon. Vous avez leur vidéo en barre d'infos. Je vous invite à aller regarder, liker, vous abonner, leur laisser des gentils commentaires et tout ça comme d'habitude. Donc, je vais mixer Rox et Rookie. Voilà. Et je vais utiliser la sceptre parce qu'il y a les couleurs qu'il me faut à l'intérieur. Donc, je me rapproche et on attaque ça tout de suite. Je vais commencer avec un pinceau plat. Je vais faire sur l'extérieur Rookie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. On va bien voir si. Enfin, vous allez voir. Alors, je vais prendre pour commencer le. Je ne sais pas les résultats. Un marron beige, comme ça, comme le pelage de Rookie, à peu près. J'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau plus précis. Mais bon, on va essayer avec celui-là. Et je vais faire une tache. Une tache. Une tache. Alors, je sais pas si c'est vraiment la bonne teinte du chien, mais je remplis ma forme. Je vais peut-être l'étendre un peu par ici. Il est pas mal. Je vais peut-être l'étendre un peu quand même. C'est le Disney Challenge, hein. On peut s'emporter facile ici. Il y a un vent de malade dehors, c'est un truc de fou. Il y a des sacs poubelles qui sont en train de voler partout. Je vais revenir en ras-de-ciel aussi. Bon, forcément, ici, j'ai pas de base, donc c'est moins intense. Ok, alors avant de faire pareil de l'autre côté, je prends un pinceau plat et je prends le blanc du coup qui est juste ici hein, c'est le gros panne que je mets là où j'ai pas mis de beige, enfin le beige je sais pas quel teint c'est. Je prends le marron plus foncé qui est à côté, enfin un peu plus loin un peu plus loin, ici. Oh, donc je bloque le même pinceau parce que je fais ma grosse féma et je fais une tache comme il a sur le dos. Donc à peu près le même genre, mais en plus précis. J'ai fait mon trait de liner, j'ai voulu faire une bascule, mais c'est totalement foiré, totalement moche. Bref, tant pis. Alors, je vais reprendre ma base à paupières. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le blanc. Et maintenant, on va passer au côté Rookie du Rox. Et non, au côté Rox, de Rox et Rocky. On va faire la queue du renard qui va partir d'ici et finir en pointe un peu plus haut. On va laisser comme ça. Hein. Alors, je prends un tout petit pinceau plat, mais très 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 précis. Je vais juste peigner un peu. Que ça fasse des taches nettes et je vais commencer avec le orange ici. C'est peut-être un peu exagéré, un rouille comme ça aurait été un peu plus, mais j'ai envie de mettre celui-là. Voilà, tout simplement. Et je mets ça par-dessus ma base, forcément. Et ça fait des chitasses. En écoutant, cette couleur est vraiment très 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 belle. J'essuie mon pinceau, bien, 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 bien. Je prends l'autre côté et je reprends le blanc pour faire la queue, le bout de la queue. Ok, alors je vais prendre un pinceau liner mais assez épais. Je reprends le orange et j'essaie de faire des petits aiguilles ici pour pas que ce soit
casse-les-nettes. Je garde le même pinceau, je prends du orange et j'en mets en ras de cils aussi. Il y a juste ce truc-là qui est rassuré. Toujours le même pinceau, celui-ci, ici. Pour mettre par ici. Je vais prendre un autre parce que celui-là il est caca. Je prends un petit pinceau boule du coup. Je tire jusque là, hop, et j'en mets ici en dessous aussi. Et je repasse directement sur les lignes pour essayer de le camoufler un peu, même si ça mange pas. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu, hein. J'ai fait un gros pâté dégueulasse. Voilà, dégueulasse, chaud, dégueulasse. Voilà pour les yeux. Alors, je vais quand même. Enfin, pour les yeux, non. Je vais encercler. Donc, je prends le NYX pour faire ça. La queue du LOL. Hein. Alors, en muqueuse. Je vais mettre du doré. Donc, je prends l'essence. Alors, mascara probablement fossile. Et je vais mettre le Pumpkin Spice sur les lèvres. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà mon look pour Rox et Rocky. Rocky, Rox. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Sauf ce pâté dégueulasse en compteur. Ça, c'était pas ce que j'avais prévu du tout. Hein. Mais non, pas du tout. Mais bon. Au départ, je voulais faire un Foxy Ice. Mais je me suis dit, encore un Foxy Ice, encore de l'oranger. Ça va ressembler à la Queen of the Tiger. Donc, j'ai eu cette idée-là après. Voilà, mais bon. Écoutez, voilà, c'est fait. J'aime bien. Le thème est respecté, je pense. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà. J'ai hâte de savoir ça va être quoi le prochain. J'ai hâte de voir ce que mes copines, elles ont fait. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Je vous invite à faire pareil. Et voilà. Donc, vous avez leur vidéo en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller checker, vous abonner, laisser des commentaires. Gentil. Des pouces en l'air et tout ça. Tout pareil ici. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look, si ça respecte le thème Rox et Rocky. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous.